Retour à la convention de la CCEF. Nous remercions bien sûr tous les intervenants de la table ronde qui, par leur expérience, leur vision, nous ont permis de pouvoir comprendre les enjeux qu'ils attachaient au défi de la territorialité et de l'économie de proximité. Nous enchaînons avec un nouvel intervenant. Nous avons le plaisir d'avoir comme invité Pierre Sabatier, économiste reconnu, qui se différencie d'autres économistes parce qu'il est aussi chef d'entreprise, donc dans le quotidien, fondateur du cabinet Prime View. Il est à la fois un observateur, un acteur de son époque. Il est à ce titre vice-président de l'OREP, référence de la formation en gestion de patrimoine. Nous avons trouvé intéressant au niveau de la CCEF de faire appel à lui parce qu'il est très attaché à la vie des territoires, à la notion de proximité, à la question de l'industrialisation, puisqu'il réside dans un village de 450 habitants du Puy-de-Dôme. C'est dire que la proximité, il connaît. Son cabinet, en outre, a élaboré une méthodologie d'analyse socio-économique inédite de nos territoires, permettant de les classer en groupes homogènes afin d'éclairer les choix et les orientations des politiques publiques dans la reconstruction de nos modèles de société. À titre personnel, j'ai pu apprécier les analyses de Pierre, ce compris des échanges extrêmement constructifs et intéressants avec Philippe de Sertine en particulier, au sein de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes. Pierre, je te laisse la parole sur notre thème, économie des territoires, industrialisation. Tu as carte blanche sur tous les sujets que tu souhaiterais nous faire partager. André-Paul, merci. C'est un vrai plaisir d'être avec vous. J'aime les professions du chiffre en général, vous le savez. Enfin, mon parcours et mes relations l'expriment et c'est toujours un plaisir de venir s'exprimer ou de vous apporter nos observations pour vous aider d'une certaine manière à vous positionner dans le monde qui vient. Monde qui vient, et c'est vrai que dans la table ronde précédente, vous avez conclu par cela, à savoir un monde plus volatile, plus complexe, qui nécessitera plus d'adaptabilité. Eh bien, mon métier, c'est vous aider d'une certaine manière à avoir une vision peut-être un peu plus fine, un peu plus précise pour savoir comment s'organiser en fait dans ce monde qui vient. Alors, trois mots étaient prononcés, territoire, proximité et industrialisation. On va les mettre dans l'ordre parce qu'il y a un lien logique et une connexion entre tous ces mots. Mais je commencerai par vous dire que, effectivement, la notion de territoire m'est chère, mais si les territoires doivent être la locomotive ou une des locomotives de notre pays, c'est de moins, à titre personnel, par idéologie, que comme résultante des travaux et des observations qu'on a pu mener jusqu'à maintenant. C'est-à-dire que nous avons besoin, en tant que modèle de société, des territoires comme renouveau de la richesse qu'on crée dans notre pays. Et c'est une question extrêmement importante. Et c'est pour ça que lorsqu'on parle des territoires, ce n'est pas une question idéologique. Pas parce qu'on est triste que nos territoires déclinent, c'est parce qu'on ne peut pas supporter collectivement que ces territoires déclinent et qu'on a besoin que les territoires qui ont été pendant longtemps oubliés rattrapent leur retard par rapport à tous ces territoires qui sont déjà, entre guillemets, en mouvement. Ah, donc le vrai sujet, c'est comment on fait ou on arrive à créer les moyens d'un rééquilibrage de l'activité créée sur notre territoire pour finalement aboutir à une économie plus habile, plus agile et au final plus résiliente, parce que c'est bien notre objectif, à savoir que quoi qu'il se passe, qu'il neige, qu'il vente, qu'il fasse beau, bien que notre économie continue d'avancer, quelles que soient ses conditions. Donc la notion de territoire, vous allez voir pourquoi, et je suis aussi venu vous montrer quelques images, parce que ça résumera bien en fait mon propos, comme j'ai dit souvent, méfiez-vous des gens qui parlent bien. Donc, un graphique parfois à la... Oui, mais on te fait confiance. Voilà, donc premièrement, et le premier point sur lequel je voulais insister, c'est que tout ça doit s'orchestrer dans un diagnostic plus global, une conviction très forte que nous sommes en train de vivre un changement structurel qui n'est pas lié à la crise sanitaire. En gros, notre monde a déjà commencé à changer. L'obsolescence des modèles que nous avons créés il y a 40, 50 ans, post-Seconde Guerre mondiale, et que nous avions consolidé dans les années 70 et sur lequel nous vivons encore, est devenu complètement obsolescent. C'est-à-dire ne correspond plus aux aspirations de nos concitoyens, mais aussi aux aspirations de nos collaborateurs. Donc c'est pour ça qu'il y a toujours deux angles d'attaque, hein, selon nous, c'est organisation territoriale et de la société, organisation de l'entreprise. Donc, et les aspirations de nos concitoyens et de nos collaborateurs ont tellement changé que le modèle qu'on avait conçu, qui était un bon modèle pendant très très longtemps, devient obsolète. Et ce changement d'aspiration a déjà débuté depuis une grosse dizaine d'années. Et c'est dans ce cadre-là, c'est ce qui explique d'ailleurs toutes les tensions qui, pré-Covid, pré-crise sanitaire, parcouraient déjà en fait le monde. Tu veux parler des gilets jaunes, tu veux parler... Tension sociale, bien sûr, mais on parle gilets jaunes. Évidemment, nous sommes toujours auto-centrés, et c'est logique, hein, puisque nous sommes préoccupés par ce qui est le plus à proximité, et c'est logique. Mais les tensions sociales, elles se lisent partout dans le monde, partout, pas qu'en France.
Il y a d'autres expressions que les gilets jaunes, en Italie, en Allemagne, en Espagne, aux États-Unis, même au Japon. C'est-à-dire que ces tensions sociales, on les lisait déjà en fait, un peu partout dans le monde avant crise sanitaire. Des tensions d'ordre commercial aussi. On va parler tout à l'heure de réindustrialisation. Mais il y a eu déjà un changement majeur, c'est-à-dire que le vaste mouvement d'ouverture commerciale et de délocalisation qui a débuté au début des années 2000, c'est déjà clos, en réalité, au milieu des années 2010, avec l'arrivée de Trump. Et ce qui est intéressant, c'est lorsqu'on voit l'arrivée de Biden, en tout cas la substitution de Trump par Biden, eh bien, en termes de politique commerciale, rien n'a changé, parce que le monde a changé. On est déjà dans une forme de tension sociale, tension commerciale, tension géopolitique, tension même politique, hein, puisqu'on a aussi en fait, des votes qui sont parfois des votes étonnants, hein, pas forcément en France, mais ailleurs dans le monde. Et donc tout cela, simplement, il faut avoir cette conviction très forte que ça exprime le décalage entre ce que nous sommes devenus et le modèle de société, le modèle d'organisation de société et d'entreprise sur lequel nous vivons encore, modèle qui était un très bon modèle, mais adapté à ce que nous étions, je dirais, dans un passé assez lointain. Et donc, la crise sanitaire a fait accélérer, en fait, ce décalage. Et c'est en cela où il faut considérer la crise sanitaire comme, évidemment, une crise, mais plus comme un accélérateur qui nous pousse à nous renouveler, à être convaincus qu'il faut non relancer la machine, mais reconstruire nos fondations. Et donc le vrai sujet, c'est pour ça que mon préambule est celui-ci, c'est de dire, un, la crise sanitaire n'est pas une rupture, elle est une accélération d'un changement majeur que nous devons absolument réussir, celui de un challenge qui est celui de la reconstruction de nos modèles de société pour qu'ils répondent à nouveau aux aspirations de nos concitoyens et de nos collaborateurs. Donc ce qui veut dire que, ce que tu veux nous transmettre comme message, c'est que quelque part, Covid, pas Covid, de toute façon, on serait confronté à ce changement, mais qui est plus, enfin, qui est un changement de paradigme. Alors, changement de paradigme, mais on va y venir parce que dans tout paradigme, il y a une idée de base, une conviction forte. Il n'y a pas de complot qui existe. Vous savez, les débats souvent, sont dit, ils ont voulu faire ci, ils ont voulu faire ça, c'est fou. La réalité, c'est qu'il y a rarement en fait de volonté ex-ante en fait de vouloir faire du mal. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est que comme tout système en mathématiques, il y a un axiome, une idée fondamentale. Et l'idée fondamentale à l'origine de nos modèles était la suivante. Pendant très très longtemps, on a considéré que pour exister dans le monde qui vient, il fallait être gros. Parce que la puissance découlerait de la taille. Extrêmement important. Si on est convaincu que pour exister dans le monde qui vient, et donc pour être puissant dans le monde qui vient, il faut être gros, eh bien on organise toute notre société pour favoriser les territoires les plus concentrés, les grandes métropoles. On favorise les entreprises et on les pousse à se consolider pour devenir, entre guillemets, pour associer l'expansion et la réussite à l'augmentation de la taille des entreprises. Et en fait, c'est véritablement aux fondations même de nos organisations territoriales et entrepreneuriales depuis 50 ans, cette conviction très forte, juste pendant très longtemps, que la puissance découlait de la taille, et donc pour exister dans le monde qui vient, il fallait être gros. Et c'est pour ça que souvent on présente la révolution technologique comme quelque chose de négatif, évidemment. Comme toute innovation technique, elle va changer les choses. Elle nous force à nous mettre en mouvement. Nous tous en tant que société, mais aussi nous en tant qu'entrepreneurs. Voilà, puisque ça va nous permettre de faire autrement, de répondre aux besoins de nos clients autrement que par le passé. Donc il faut évidemment incorporer ces innovations-là dans nos manières de faire, dans nos pratiques. Mais en soi, effectivement, c'est un challenge anxiogène, parce qu'il va falloir renouveler ses pratiques, forcément. On préférait toujours avoir à renouveler des pratiques identiques. On amortit finalement en fait, le savoir-faire déjà. Et c'est plus facile. Et moi, en tant qu'entrepreneur, je l'assume. Je ne suis pas forcément pro-changement. Et en tant qu'entrepreneur, lorsque j'ai quelque chose qui fonctionne, eh ben, j'aimerais pouvoir le reproduire à l'infini. Mais la réalité, c'est que lorsque l'aspiration de mes clients change, lorsque les innovations techniques font qu'on peut faire autrement et que donc des concurrents vont s'en saisir, eh bien, le changement n'est pas un choix, le changement est une obligation, il faut s'en saisir, c'est comme ça. Mais ça, c'est pour le côté un petit peu entrepreneur, qu'est-ce que ça va engendrer, qu'est-ce qu'il va falloir que j'accepte de perdre pour gagner à nouveau. Donc, effectivement, c'est un chemin difficile. Mais ce qui est absolument formidable dans cette révolution technologique, le numérique, c'est que pour la première fois de l'histoire, l'isolation physique tombe. La distance, entre guillemets, tombe. La capacité à connecter de manière numérique fait finalement s'effondrer cette idée que la puissance découle de la taille, ce qui a dessiné tous nos modèles de société depuis 50 ans. Puisque la réalité d'aujourd'hui, lorsqu'on aura compris ce que ça pouvait nous permettre, la connexion numérique, c'est que l'avenir appartient moins aux gros concentrés qui ne va pas disparaître.
et qui va devoir, en fait, lui aussi s'adapter et muter. Vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure. Mais va appartenir plutôt aux petits connectés. Mais pas parce que sociologiquement, on a envie de cela. C'est parce que la réalité, c'est que le vrai sujet, c'est comment on fait coexister au regard des aspirations de nos collaborateurs et de nos concitoyens cette double dimension qui est aujourd'hui exprimée, c'est ce double objectif vraiment exprimé, qui est celui en fait d'avoir plus de local, proximité, mais pour autant, on n'est pas prêt à abandonner la dimension globale. Eh bien, grâce à la technologie, on peut multiplier les petites unités, mais en les connectant entre elles, eh bien, pouvoir faire coexister de manière extraordinaire, pour la première fois de l'histoire, cette dimension locale avec une dimension globale. Et c'est la raison pour laquelle tout est à remettre en question, puisque pour la première fois de l'histoire, pendant très longtemps, on a dit « small is beautiful ». Oui, mais c'est faux. C'est faux. À titre individuel, vous pouvez prendre plaisir à aller dans des endroits reculés, etc. Mais dans l'activité, c'est faux. Ce n'était pas possible. Small n'était pas beautiful. Ça n'était pas successful. Et c'était normal. Mais grâce à la révolution technologique, eh bien, on peut rendre possible en fait, cette idée du small is beautiful, mais pas small tout seul. C'est small avec les autres. Et donc, si l'axiome devient la puissance découle de la taille, donc, entre guillemets, il faut orienter nos modèles de société vers plutôt des grosses entités, territoriale ou entrepreneuriale, et que l'axiome devient l'avenir, la zone qui arrivera à créer le plus de richesses, hein, donc là je parle sur le plan de l'économie, et appartient plutôt aux zones qui seront favorisées, la multiplication des petites unités qu'on connecte pour disposer de cette dimension globale, eh bien vous comprenez bien que notre organisation territoriale, nos modèles, ceux qui nous ont fait jusque-là, doivent être remis en question. Et la notion de territoire va être, évidemment, ce qui est donc valable au niveau entrepreneurial est aussi vrai au niveau territorial, et c'est la raison pour laquelle je vous montrerai tout à l'heure une image qui qualifie bien les conséquences de notre organisation territoriale, de notre modèle de société depuis une cinquantaine d'années sur nos territoires. Mais ça implique cette localisation individuelle connectée des éléments logistiques au niveau d'une nation, d'un pays, d'un continent. Alors vous avez tellement raison. Il y a des préalables à ça. Alors, avant de continuer, je voudrais simplement dire, parce que souvent les gens me disent, mais de toute façon, en France, on n'y arrivera pas. La révolution intellectuelle que ça génère fait qu'on ne peut pas y arriver, parce qu'on me renvoie toujours à cette idée fausse, et je suis content de pouvoir l'exprimer ce soir, que la France n'est pas un pays de réformistes, et la seule manière de se reconstruire, c'est d'en passer par une rupture, qu'on associe souvent à la Révolution française, au fait qu'on coupe les têtes. Eh bien, j'aimerais juste prendre quelques secondes et porter un message d'optimisme sur le fait que la France ne doit pas être fataliste et qu'elle a su, peut-être, lorsqu'on compare l'époque actuelle, elle ressemble plus à la fin du 19e siècle. Et c'est intéressant tout à l'heure parce que vous aviez des acteurs autour de la table qui ont pris naissance au début du 20e, en réponse à la situation de la fin du 19e. Et je vais faire un tout petit parallèle historique parce que ça doit nous vraiment être porteurs d'espoir pour nous. Et il n'y a pas de fatalité à attendre une rupture pour se reconstruire et pour réadapter notre modèle. La fin du 19e, grosso modo, est perclue de tensions, de la même manière. Tensions sociales, tensions donc syndicats, etc. Tensions politiques, vase des gouvernements, tensions géopolitiques, terrorisme d'origine anarchiste à l'époque, très, très, très violent. Une tentation des entreprises à compenser la faiblesse de la croissance en se rachetant les unes les autres. Oui, donc encore une fois, voilà, cette notion de trust, hein, ça rappelle nos GAFAM. Hein, voilà, ça, c'est un sujet assez intéressant. Donc, le parallèle. Et donc, grosso modo, on a une situation où nous vivions à l'époque avec un modèle qui ne correspondait plus en fait, aux aspirations des populations de l'époque, associé évidemment à des innovations technologiques majeures. Hein. Je rappelle qu'à l'époque, c'était machine à vapeur, télégraphe, électricité. Donc, un petit peu à la manière aujourd'hui du numérique, c'est-à-dire d'une violence inouïe qui fait disparaître des métiers pour en réinventer d'autres. Hein. Mm-hmm. Voilà, mais donc, à ce constat et ce diagnostic de l'époque, où les modèles de l'époque étaient devenus obsolètes par rapport aux aspirations des concitoyens et des collaborateurs, on n'appelait pas cela comme ça à l'époque, vous avez compris ce que ça veut dire, eh bien, il y a eu deux réactions au niveau mondial, deux, diamétralement opposées, une noire, une blanche. Une rupture, le choix d'une rupture. Eh bien, le choix de la rupture, ce n'est pas la France qui l'a faite, c'est les États-Unis. À travers un vote, Theodore Roosevelt, donc en 1901, président des États-Unis, dont le seul programme était « Je découperai les gros ». L'incapacité des États-Unis à avoir compris que le modèle était obsolescent et qu'il fallait progressivement le faire évoluer pour qu'il se réadapte aux aspirations des populations
a amené à une rupture, d'ordre politique, qui a été une lutte intestine. Les gens ne le savent pas, mais le début du XXe aux États-Unis est très dur, très brutal, avec une tentative de démantèlement en 1904, ça devait être de Morgan, je pense, et qui a abouti en 1911 au découpage en règle de la Standard Oil, un très grand trust. À l'époque, vous savez, il y avait les Rockefeller, Standard Oil, etc. Bon, mais tout ça pour vous dire que les États-Unis, eux, ont fait le choix de la rupture. La France, qu'est-ce qu'elle a fait? Eh bien, elle était d'une modernité inouïe. Un exemple de réformisme. Loi de 1901, les associations. À un moment, il faut réinventer son modèle. Eh bien, il est évident qu'il est absolument nécessaire de libérer les énergies. Libérer les énergies pour que les initiatives fusent. Qu'est-ce que c'est que la loi de 1901? Doter d'une coquille, une possibilité pour nos concitoyens de prendre des initiatives à travers, en fait, une coquille associative. C'est d'une modernité inouïe. Loi 1901, loi 1905. À l'époque, des secteurs d'activité ne pouvaient plus fonctionner au regard du modèle d'avant. Ils n'étaient plus financés, d'ailleurs, par les opérateurs historiques. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Des professions comme l'agriculture se sont organisées et ont créé quoi? Le Crédit Agricole. Alors, elles-mêmes ont organisé, ont créé les coopératives agricoles. C'est déjà, en fait, la capacité à faire du local versus du global. Vous avez compris, faire cohabiter les deux. Donc, une modernité extraordinaire en termes de raison sociale. Déjà fabuleux. Mais aussi en termes de financement. Les financeurs de l'époque ne répondant plus aux exigences, en fait, des opérateurs. Eh bien, la corporation s'est organisée pour créer une banque. Le Crédit Agricole, les banques populaires, la Caisse d'épargne, tout est né là. Le système mutualiste est né là. Aussi. Les assurances sont nées là. C'est-à-dire qu'on pense souvent que le modèle français s'est conçu post-Seconde Guerre mondiale. En réalité, les fondations les plus dures, les plus solides, en fait, du modèle français se sont construites sur la base d'un réformisme inouï, d'une modernité formidable, en réponse aux difficultés que nous avions traversées à la fin du XIXe siècle. Hier, sur la base d'un diagnostic lucide sur des temps difficiles, nous avons su construire un modèle sur lequel aujourd'hui, nous reposons encore. Plus, peut-être encore, donc après Seconde Guerre mondiale, on l'a complété. Mais les fondations les plus sûres sont là. Donc ce que je voulais simplement dire, c'est que face à ce challenge inouï d'avoir à tout reconstruire, tout rebâtir, parce que l'axiome de base a changé, petit connecté versus gros concentré, eh bien n'ayons pas peur en fait de cela, parce que notre pays, nos aïeux, ont réussi en fait ce challenge de le faire sans en passer par une rupture. Et donc si nous nous imitons tous aujourd'hui, eh bien c'est possible. C'est un sacré challenge pour les dirigeants politiques, pour la population, parce que c'est une mutation. On a quand même un réflexe naturel, c'est de dire ne changeons rien, parce que tout va aller mieux quand même peut-être demain, ou comptons sur autrui. Bien sûr. Parce que on va nous apporter la bonne parole. L'État-providence va nous apporter la bonne parole. Et là, ce que tu évoques du début du XXe siècle ou de la fin du XIXe, c'est avant tout l'initiative privée. Oui, bien sûr. Alors, l'initiative publique, bien sûr, par la loi de 1901, mais tout le mouvement coopératif mutualiste, Même l'associatif. La loi de 1901, c'est juste permettre l'initiative du privé. Ouais. Puisque l'associatif, ça reste du privé. C'est des individus qui le font. Donc, ce qui voudrait dire qu'il faut que l'initiative privée au XXIe siècle reprenne son plein et entier exercice, qu'à la limite, le politique suive. Alors, c'est là où c'est d'une modernité, là aussi, comme débat fabuleux, puisque nous sommes rentrés avec le Covid. Attention, parce qu'à toute difficulté, on peut prendre les choses du bon côté, mais on ne doit pas faire d'erreurs ou prendre de mauvaises habitudes. C'est-à-dire qu'il était évident que la sphère publique devait, entre guillemets, éviter que le bébé parte avec l'eau du bain, à ce moment-là historique d'une crise, qui était un arrêt de la production volontaire. Eh bien, donc, la sphère publique s'est mise en face de tout le monde. Mais il faut absolument être convaincu que l'objectif pour se reconstruire, ce n'est pas le public qui doit le faire. Il doit créer les conditions d'expression du potentiel de nos concitoyens, donc de nos entreprises, de nos associations, de nos concitoyens dans leur ensemble. Ce ne sera jamais le public qui va tirer tout le monde. Le public doit servir uniquement à créer les conditions d'expression du potentiel de nos concitoyens. C'est le privé qui sera moteur de tout cela. Ce ne sera pas le public. Or, aujourd'hui, nous rentrons intellectuellement, je le vois bien, cette petite sirène qui fait qu'on a lâché les cordes des dépenses publiques avec cette sensation agréable d'avoir une banque centrale qui imprime directement les billets de banque que l'État va pouvoir dépenser. Et d'une certaine manière, on se repose encore plus sur l'hyperpuissance et l'hyperprésence de l'État dans tous les domaines, que ce soit normatif, mais aussi financier, voire même économique. C'est malheureusement un chemin qui est mortel, parce que ce n'est pas sur cela, sur cette base-là, qu'on arrivera à reconstruire un modèle résilient. Donc il y a un vrai danger. L'hyper-keynésianisme associé à la crise sanitaire
à ne pas comprendre que chacun son rôle. L'État doit créer les conditions d'expression du potentiel du privé, mais c'est au privé de bâtir. Oui, parce que par rapport à ce que tu évoques, et on est quelques observateurs à se dire, il y a quand même un paradoxe en ce moment de voir un France retraite, un France, je ne sais pas quoi, un France sécurité sociale demain matin. On a l'impression d'une collectivisation ou une concentration de l'économie ou des rouages politiques liés à l'économie, et que c'est un petit peu inverse ou contradictoire par rapport au territoire, à la gestion des territoires et à l'initiative en fait privée. Alors, c'est l'exacerbation de ce que nous avons fait depuis longtemps. Et en fait, on est rentré, on a accéléré la chose, alors que justement, il faut quitter ce réflexe naturel de toujours vouloir faire plus gros et que la sphère publique se substitue à l'initiative privée. Je pense que c'est un chemin dangereux et j'en profite du coup pour montrer une carte donc aux spectateurs, téléspectateurs ou internautes, je ne sais pas comment on dit maintenant. Alors, en tout cas, ce sont des branchés. Des branchés, voilà. Déconnectés, on l'évoquait tout à l'heure. Alors maintenant, on rentre quand même dans le sujet, parce que ce préambule a été un peu lent. Mais si on n'est pas convaincu de tout cela, je pense qu'on va traiter les choses en silo. La question du territoire en silo, on s'en fout. La question de la proximité en silo, tout ça, on peut faire des débats sur chacun de ces sujets. Mais si on ne comprend pas quelle place ces thématiques-là ont dans le rouage de la reconstruction, eh bien, malheureusement, on ne générera pas suffisamment d'adhésion pour que les gens s'engagent dans ce chemin de la reconstruction. C'est pour ça que je voulais vraiment commencer par cela. Un, il est nécessaire de changer parce que nous avons changé. Le changement ne s'impose pas à nous. En fait, nos propres changements nous amènent à repenser nos modèles d'organisation parce qu'ils ne répondent plus à nos aspirations. Premier point. Deux, la technologie nous fait tomber cette idée que la puissance découle de la taille. Donc, arrêtons de tout miser dans le gros concentré, à concentrer toujours tout au même endroit. Et plutôt, essayons de travailler sur un modèle plus dispersé. Et donc, sur cette base-là, c'est là où les territoires rentrent en ligne de compte. On rentre dans le dur. Là, on va remettre la carte. Mon cabinet, donc, est un cabinet de recherche. J'ai la chance d'avoir des équipes absolument formidables, une dizaine de personnes. La moitié sont des gens qui collectent et traitent de la donnée. Donc, c'est vraiment du traitement de données, donc du hard. Et l'autre moitié, c'est de la matière grise qui l'interprète. Il y a 2 ans maintenant, dans le cadre d'une étude formidable qu'on a eu l'occasion en fait, de mener, on a réussi à mettre en place un algorithme qui nous permet de catégoriser les territoires pour mieux les comprendre. Parce qu'on a fait le constat que le mot territoire est devenu un mot à la mode. C'est pas faux. Aujourd'hui, il y a le green, le mot territoire. Malheureusement, dans nos sociétés, j'ai quand même l'impression que beaucoup de débats sont stériles, tout simplement parce qu'on ne définit pas bien les termes du débat. Qu'est-ce qu'on entend par territoire ? Ça nous intéresse. D'ailleurs, dans le discours de prise de fonction de notre Premier ministre, de mémoire, je crois qu'on dénombre 32 fois le mot territoire dans son discours. Donc il est évident que c'est un sujet qui... On sent bien que tout le monde a compris que c'est important. Mais qu'est-ce que c'est un territoire ? De quoi parle-t-on ? Et donc, tout notre sujet était de dire, finalement... Comment on peut caractériser les territoires donc Et donc, nous avons monté un algorithme de catégorisation. Donc, c'est vraiment tout à fait objectif. Il n'y a pas de point de vue. Et donc, vous avez le résultat sous les yeux. Notre algorithme de catégorisation, il découpe la France en 5 catégories de territoires, qui sont des 5 catégories de départements. Le bon niveau d'analyse sur un territoire, c'est un département. Vous allez comprendre pourquoi. Ce n'est pas forcément le bon niveau d'action en termes de politique locale, qui sera peut-être plus l'agglomération pour les gens qui connaissent l'organisation territoriale. Mais le bon niveau d'analyse, c'est le département. Et vous allez là aussi comprendre pourquoi. Donc 5 grands groupes. Un groupe en France de 2 départements qui sont si différents. Alors pourquoi on fait ça ? On fait ça parce qu'on a constaté que chaque territoire a l'impression de vivre une situation particulière. Et donc chaque territoire, avec son petit drapeau, monte à Paris, puisqu'on fait tout à Paris, forcément, voilà. Donc vis-à-vis de nos gouvernants, ils disent « Moi, j'ai ces difficultés-là, qu'est-ce que je fais ? Il faut m'aider. » Puis chacun fait ça. Et je comprends, moi, les tenants de la politique générale qui disent « Mais non !» Une somme de politiques particulières ne fait pas une politique générale. Donc, non. Et notre exercice a simplement visé à essayer de faire comprendre un certain nombre de territoires que la problématique qu'ils rencontrent ne sont pas des problématiques qui sont des problématiques isolées. D'autres territoires les rencontrent aussi. Et donc, nous avons conçu finalement un outil de rassemblement des territoires au regard de leurs caractéristiques proches. Et donc, ça nous amène à 5 groupes de départements. Je vais aller vite sur le sujet pour ne pas perdre trop de temps. Parce que je sais que le temps nous est compté, et je ne voudrais pas en abuser. Mais tu as carte blanche, je t'ai dit. Merci. Alors, Mayotte et la Guyane, c'est des territoires qui sont si différents, qui sont quasi des pays en voie de développement. Je fais un tout petit aparté. Il faut faire très attention. Lorsqu'on voit les choses de loin, tout se ressemble.
Et donc, typiquement, traiter ces deux territoires comme les autres territoires ultramarins et les autres départements d'outre-mer, c'est commettre une erreur d'analyse en termes de politique économique colossale. Parce que leurs problématiques sont des problématiques de pays en voie de développement, que ce soit en termes de superficie, mais surtout en termes de démographie, de flux migratoires. Il faudrait qu'on ait en France une politique dédiée à ces deux territoires, qui ont des caractéristiques très proches. Ne pas le faire, c'est évidemment créer des effets d'aubaine. Donc, un, ce n'est pas leur donner les moyens de se développer, et c'est créer des dommages collatéraux pour les territoires alentour. Donc ça, c'était un premier point. On doit comparer des choux avec des choux, et pas des choux avec des carottes. C'est un peu le sujet. Bon, ça, c'est le premier point. Puis sinon, en France, très important de comprendre cette dynamique, on a quatre groupes de départements homogènes qu'on va rassembler en deux supragroupes. Les gagnants d'un côté, les perdants de l'autre. Pas perdants toujours. Non, les perdants jusqu'à maintenant. D'accord. Il n'y a absolument aucune fatalité. Et donc l'avantage de l'économie, c'est qu'elle n'est ni morale ni immorale, elle est amorale, elle n'est que le reflet en fait, des choix en fait, que nous avons réalisés jusqu'à maintenant. Simplement pour dire que les gagnants sont évidents, Paris et sa couronne, trois départements, qui siphonnent toute la France, vous allez comprendre pourquoi je dis siphonne. 18 départements attractifs qui sont orange sur cette carte, donc qui sont tous composés de la même manière, à savoir c'est Lyon, Marseille, Toulouse, Bordeaux, Nantes, Rennes, Lille, sont des territoires, des départements qui comportent en leur sein toujours une capitale régionale d'envergure européenne. 18 plus 4 départements, ça fait 22 départements au niveau français, 16% de la superficie, 33 millions de Français. Et ces territoires-là ont capté 70% de l'accroissement de la population au cours des 10 dernières années. Premier point. Et puis, il y a l'autre partie de la France. C'est la partie bleue. Bleu ciel et bleu foncé. Les bleus ciels sont les départements intermédiaires et les bleus foncés sont les départements déclinants. À savoir qu'ils sont en situation de déclin même de leur population. Dans un pays qui voit sa population grossir, hein, pourtant. Donc, c'est pour vous dire à quel point, véritablement, on est dans une situation de déclin. Donc, ils sont 73 départements métropolitains plus 4 territoires ultramarins, en réalité, qui se caractérisent par des particularités qui leur sont propres, donc à ces deux groupes de territoires-là. Et je vais juste vous montrer. Donc, vous avez compris, la France coupée en deux, 22 départements très concentrés, voilà, donc Paris et, en gros, les départements qui comportent des capitales régionales, et le reste de la France, 73 départements. Alors, l'évidence, c'est que si vous faites prendre conscience à ces 73 départements qu'ils ont un problème commun et qu'ils se mettent ensemble pour exprimer ce problème au niveau de la politique générale, là, on n'aura plus, en fait, en phase, en tout cas, ils n'auront plus comme réponse uniquement une réponse qui est de dire, voilà, ce n'est pas un cas isolé, c'est un cas au contraire qui est quasi majoritaire. C'est un peu le sujet. Je vous montrerai une deuxième image pour vous dire à quel point il est très important de renouveler, en fait, notre vision des territoires jusqu'à maintenant. C'est la deuxième diapo que je voulais montrer, la deuxième slide, si vous pouvez la transférer. Alors, ça, je vous explique en 3 secondes. C'est l'héritage de l'axiome de tout à l'heure, gros concentré. Il se passe qu'en bas à droite, vous avez Paris. On rentre dans le détail. C'est la pyramide des âges de Paris et sa couronne. Elle se caractérise par une chose toute simple. Une protubérance des 25-45 ans. Quand vous y ajoutez le critère de qualification, ce que nous avons fait, évidemment, cette protubérance est encore plus forte. Donc on est face à une population qui est déséquilibrée au profit, en fait, des forces vives qualifiées. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que Paris et sa couronne siphonnent toute la France et tous les départements de ses forces vives, au sens propre du terme. En bas à gauche, là, vous avez les départements attractifs. Ce n'est pas ceux qui déclinent, attractifs. Eux, ils ont une pyramide des âges équilibrée. En fait, là, vous avez la réalisation concrète de ce qu'est le premier de cordée. Vous allez voir tout à l'heure. Donc, Paris siphonne tous les territoires, y compris les attractifs. Mais les départements attractifs ont la capacité de faire quoi? Eh bien, de compenser l'effet siphon de ces forces vives qualifiées en siphonnant eux-mêmes les forces vives des territoires qui les entourent, okay, les départements intermédiaires et les départements déclinants. Et c'est la pyramide des âges que vous avez au-dessus. Le phénomène, il est le suivant. C'est qu'en fait, on peut dire, au petit déjeuner, au déjeuner, au dîner, qu'il est important que nos territoires, quand on parle de nos territoires, on parle évidemment des intermédiaires et des déclinants. Hein, c'est les 73 départements qu'on a identifiés. On peut leur dire qu'il est important de se développer au déjeuner et au dîner. Mais pour se développer, il faut des gens. Et la problématique et la carence première qu'affiche ces territoires-là, c'est une carence en force vive qualifiée. Et donc, si je dis cela, c'est la raison pour... Enfin, si je vous dis cela, c'est qu'en réalité, si on n'a pas compris que la première chose qu'il faut donner, qu'il faut permettre à ces territoires pour qu'elles puissent se développer de manière autonome, c'est de les redoter en force vive qualifiée, eh bien, tout ça, c'est un peu comme le greenwashing, on fera du territoire washing. Ce dont souffrent d'abord ces 73 départements métropolitains, 4 départements ultramarins, c'est une carence avérée en force vive qualifiées, donc celles qui seront en capacité de développer les entreprises sur place et celles qui seront en capacité de les créer. Vous voyez, donc, il y a une vraie problématique de distribution de l'activité donc, sur l'ensemble de notre territoire
au profit de quelques territoires et au détriment des autres. Et donc ça, c'est extrêmement important comme constat. Mais comment peut-on, après ce constat, alors peut-être que j'anticipe... Ah oui, c'est la suite. Bon, alors j'anticipe, je me tais et je t'écoute. Non. Alors après, effectivement, le constat, c'est bien. Mais alors, je réinsiste là-dessus parce que... Pardon. Évidemment, tout cela, ça ne fait que mettre des images, des statistiques sur des impressions et des intuitions. Tout le monde l'avait un peu en tête. Mais notre objectif, c'est qu'il n'y ait pas de débat idéologique. Nous, on ne fait que constater. Et donc, le constat, c'est qu'en réalité, pour assurer le développement de nos territoires, si on considère qu'il est plus raisonnable pour notre économie dans son ensemble, si elle veut être plus résiliente, que chacun de nos territoires puisse se développer, il faut les redoter en force vive qualifiée. Mais en réalité, c'est quelle est la poule de l'œuf ? Mais c'est ça. Quelle est la poule de l'œuf ? Eh bien, la seule solution pour que nos territoires se redéveloppent, c'est qu'ils disposent des forces vives qualifiées. Et la seule solution pour les attirer, c'est que notre société dans son ensemble permette la recréation d'activités privées dans ces zones. Donc, une fois qu'on a compris cela, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut pour créer des entreprises, des emplois privés susceptibles d'accueillir les 25-45 ans qualifiés qu'on veut rapatrier, qu'ils soient nés ici ou ailleurs, on s'en fiche, mais qu'on doit trouver sur ces territoires pour assurer le développement de ce territoire-là. Et donc, du coup, la vraie question qui se pose, c'est comment on fait pour rendre attractifs ces territoires. Et donc là, pour le coup, il y a du hard. Donc la notion d'attractivité, c'est une notion très technique, en réalité. C'est très logistique. Et très logistique. Le hard, c'est quoi ? C'est que si, effectivement, l'avenir appartient aux petits connectés, hein, tu l'évoquais tout à l'heure, il est évident que la notion de petit n'est valable, enfin, ne peut créer quelque chose qu'à partir du moment où elle est connectée. Et donc, ça sous-tend des politiques d'infrastructure, de transport, bien sûr, mais aussi de communication qui soit béton. Lorsqu'on entend des personnalités évoquer la notion de territoire, il faut comprendre qu'il y a des préalables, des conditions nécessaires, pas suffisantes, mais nécessaires. S'il n'y a pas de politique d'infrastructure, de transport et de communication, j'ai même envie de dire surtout de communication, qui soit béton sur tout le territoire, tous nos départements, jusqu'au plus profond de nos territoires, tout ça n'est pas possible. Parce que l'avenir appartient aux petits connectés, pas aux petits tout seuls, pas aux petits isolés. Donc, effectivement, c'est un préalable. Ça, c'est du hard. Ça, c'est de la politique nationale. C'est de la politique publique. Voilà. Donc, c'est presque un objectif de politique générale. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que la connexion ne sera pas suffisante. Lorsque les entreprises ne se créent plus là, eh bien, il va falloir, en fait, avoir la volonté collective de se dire, maintenant, les entreprises, la Startup Nation, on veut la faire, on veut l'être. On ne veut pas être, d'ailleurs, que la Startup Nation. On veut être le pays de la réussite de nos entreprises, qu'elles soient créées ou qu'elles soient reprises. Je fais un tout petit aparté en disant que dans un pays qui doit adresser un papy-boom qui va être colossal, hein, je rappelle que la cohorte d'âge des plus de 65 ans en France passe de 12 millions de personnes à 16 millions là jusqu'à 2030. Oui. Hein, donc le vrai sujet, ça va être celui des reprises d'entreprises. Mais bon, donc la question fondamentale, c'est être le pays justement de la start-up, des start-up, mais aussi de la reprise d'entreprise et du développement de l'entreprise. Mais la question, c'est où est-ce qu'on crée les conditions, où est-ce qu'on les met, ces start-up ? On ne les met pas dans le cœur de Paris. On ne les met pas dans le cœur de Bordeaux, ça n'a pas de sens. On la met dans la forêt de Troncé, à partir du moment évidemment où elle est connectée, parce que justement on a besoin d'aller reloger des forces vives qualifiées qui vont elles-mêmes investir dans l'économie, consommer dans l'économie et donc amener en fait le travail nécessaire à tous ces jeunes non qualifiés qu'on trouve dans ces territoires. Oui. Mais pour que l'entreprise aille se connecter, enfin pour que l'entreprise s'installe dans la forêt de Troncé avec des individus connectés entre guillemets. Aujourd'hui, le chef d'entreprise, c'est un fou, celui qui fait exactement. Ça. Alors, pour deux raisons. Gentil fou, hein. Non, c'est un fou, vous avez raison. Alors, je l'ai fait. Oui, je l'ai sais, fait. Donc, l'ai fait, bon. Parce que j'ai deux entreprises en ruralité et une à Paris. Mais tout ça pour vous dire que là où vous avez raison, c'est qu'il faut une impulsion. C'est-à-dire que ça ne va pas se faire, en fait, du jour au lendemain, même en les connectant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut une entreprise n'est ni morale ni immorale. Je vous répète, elle est amorale. Elle a la moralité de sa gouvernance. Et donc, à un moment donné, une entreprise, elle va s'installer, elle a intérêt à s'installer. Et je comprends très bien pourquoi les entreprises ne se sont pas installées dans ces territoires. À partir du moment où il n'y a pas d'avantage pris adossé à ces territoires, quel intérêt aller dans une zone dans laquelle, finalement, ma zone de consommation est moins importante, la connexion, quoi qu'il se passe, voilà, est moins importante, mais aussi les zones d'influence, les zones de prise de décision sont plus lointaines. Donc, si vous ne créez pas une attractivité, presque artificielle, en tout cas à ces territoires, même s'ils sont connectés, il n'y aura pas de création d'activité. Et c'est la raison pour laquelle, si on veut véritablement que nos territoires se redéveloppent, eh bien, il faut créer de l'attractivité fiscale spécifique aux territoires qu'on a listés tout à l'heure.
avec un objectif temporaire qui est de dire, tant qu'on n'aura pas réatteint une pyramide des âges équilibrée, c'est-à-dire que tant qu'on n'aura pas suffisamment de forces vives qualifiées dans ces territoires-là, il est important d'aller amener plus de flux de création d'activités dans ces territoires qu'ailleurs. Et donc, quand on parle d'attractivité fiscale, ça, c'est du hard, hein. Alors, évidemment, c'est beaucoup plus de la fiscalité de, pour nous, hein, la fiscalité de production que de la fiscalité finale. Et donc, plutôt réfléchir sur la question de zones franches sociales, donc à travers les charges salariales, hein, grosso modo, qui vont permettre d'abaisser, finalement, ou de rendre plus attractif donc, l'installation de l'entreprise. Donc, à partir du moment où vous créez les conditions d'attractivité-prix de ces zones, que vous les connectez, eh bien, vous avez déjà augmenté la probabilité pour que bah, des gens veuillent s'y installer, des entreprises veulent s'y installer. Ça, c'est le premier point de l'attractivité. Le deuxième pendant de l'attractivité, bah, c'est bien beau. Là, tu pourrais me dire, bah, tout ça, c'est encore l'État qui doit le faire. Oui, ça, c'est vrai, c'est l'État. C'est un choix parce que là, l'État collectivement, nous avons compris que nous vivons dans un territoire global, national, qui est trop déséquilibré. Oui. Alors, ça peut être l'État, sauf si l'État accepte, comme le disait Jean Arthuis tout à l'heure, une forme de déconcentration et renvoie sur des régions plus autonomes le fait de pouvoir organiser ces éléments-là. Ce qui, quelque part, pour un certain nombre d'entre nous, en fait, on ne va pas faire les montagnards et les jacobins, mais on se dit que, quelque part, la France a un peu loupé, quelque part, son virage au XXe siècle par rapport à ses grands voisins, que ce soit l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne ou même la Belgique, qui, avec sa particularité, gère quand même deux, trois grosses régions. Oui. Et qui, alors, il y en a une qui est moins en bonne santé actuellement pour des raisons historiques et de changement encore vraisemblablement, mais qui, en même temps, a amené peut-être cette forme de proximité pour rééquilibrer les choses. Alors ça, c'est une vraie question fondamentale. C'est une question d'organisation administrative sur le territoire. La réalité, là aussi, c'est tout à fait juste. Nous allons dans un monde qui sera plus simplifié, dans lequel nous avons besoin du local et du global. Mais de manière très claire, l'organisation territoriale administrative de nos territoires devrait, selon nous, à ce stade de nos travaux, reposer sur la commune et les agglomérations qui sont des bassins de vie. Ça, c'est le lieu de la politique locale, dans lequel il faudrait loger beaucoup de sujets, qui sont des sujets de vie, de bassin de vie. Et après, il y a la question du global. Et oui, nous sommes entre deux eaux. Nous avons créé, à travers les grandes régions, des sous-États dans l'État. Et aujourd'hui, nous avons deux entités qui, finalement, essaient d'adresser la dimension du global. Il y en a une de trop. Enfin, une de trop, je suis un peu caricatural, mais concrètement, il faut vraiment définir qui doit justement apporter cette dimension globale avec ses politiques d'infrastructure, de fiscalité, etc. Donc ça, c'est un choix politique, un choix d'organisation territoriale. Je ne me risquerai pas ce soir de dire qu'il vaut mieux que ça soit la région ou l'État, parce que c'est un sujet qui est trop sensible en France, parce qu'il ne faut pas oublier que si nous ne sommes pas l'Italie, si nous ne sommes pas l'Allemagne, c'est parce qu'en fait, nos racines historiques ne sont pas les mêmes. Oui, bien c'est-à-dire sûr. Que quand même la France est née sur la base de l'extinction de ces régions. Oui, c'est l'agglomération. C'était une lutte intestine du royaume de France tout petit qui correspond à l'île de France, qui a étouffé les autres duchés à travers son pouvoir de battre monnaie. Absolument. Alors, c'est là où c'est rigolo, parce que ça permet aussi de resituer l'importance politique du pouvoir de battre monnaie, qui est un des attributs du politique et de la légitimité du politique. Bon, mais tout ça pour dire qu'effectivement, on a besoin, entre guillemets, de recréer une impulsion pour pousser les entreprises à vouloir naturellement s'installer dans des territoires dans lesquels on n'a plus assez d'activités, notamment d'activités qualifiées. Alors, ça, c'est le premier point. Mais après, plein d'autres éléments d'attractivité qu'il faut mobiliser, qui sont moins, là, pour le coup, le fait du global, que ce soit régional ou national, mais qui sont le fait du territoire en tant que tel. C'est quoi les éléments d'attractivité? Même si on a les entreprises qui veulent s'y installer, il va falloir attirer qui? Une entreprise, ce n'est pas juste un concept, ce n'est pas juste une raison sociale, c'est des gens. Et la question fondamentale, c'est comment on rend aussi séduisant, plus qu'attractif, ces territoires vis-à-vis de populations qui vont devoir s'y installer, puisqu'on souhaite qu'elles s'y installent. Et là, c'est un vrai challenge. La réalité, en fait, si on veut réussir ce challenge de mieux distribuer l'activité sur notre territoire et donc de mieux distribuer, en fait, les hommes et les femmes sur notre territoire, les forces vives qualifiées pour que tous les territoires se développent, eh bien, il va falloir que ces territoires redeviennent séduisants. Et ça, c'est complexe. Parce que ça sous-tend quoi? Pour qu'un jeune cadre qualifié en fait, s'installe dans ces territoires, il ne fera jamais, jamais le sacrifice de l'éducation de ses enfants. Donc ça sous-tend les questions de qualité de l'école. Si la qualité de l'école n'est pas béton, ils ne viendront pas, même si l'entreprise veut s'y installer. Ça sous-tend une offre de services culturels. Parce qu'effectivement, cette sociologie de population-là, elle veut avoir accès à un certain nombre de choses. Alors la numérisation nous aide pour cela. Donc ça, c'est un élément important. Ça sous-tend une politique de logement complètement réinventé sur ces territoires, puisque depuis 50 ans, on utilise la même politique de logement dans les zones concentrées
que dans les zones déconcentrées. C'est un non-sens absolu. Faire du neuf dans des zones dans lesquelles, en fait, il y a trop de logements, ça n'a pas de sens. On parle souvent de développement durable. La base du développement durable, c'est l'économie circulaire. Ça, on fait déjà avec ce qu'on a et on ne rajoute que si on a besoin de plus. Ça, typiquement, sur la notion de refonte de la politique de logement pour rendre séduisants et attractifs les territoires qui le sont moins aujourd'hui d'un point de vue économique, ça, c'est un vrai sujet de réflexion sur lequel on a travaillé. Mais bon, là, on n'aura pas le temps de le définir. Et puis, un dernier point hyper important, là, beaucoup pour nos autorités locales. Lorsqu'elles ont compris, et certaines, donc je passe mon temps, entre guillemets, à les convaincre qu'il est très, très important, elles aussi, en fait, de, finalement, jouer leur rôle comme moteur d'attractivité, et donc parce qu'elles sont pas dans... C'est pas un choix, c'est une obligation, parce qu'elles ont besoin, pour assurer leur avenir, en fait, de rapatrier des forces vives sur ces territoires, eh bien, il faut aussi qu'elles se ressaisissent, en fait, d'une politique de l'esthétique. De l'esthétique, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que... J'étais à déjeuner il n'y a pas très longtemps... Enfin, j'étais à déjeuner avant-hier, je crois, mais aussi il y a 15 jours, 3 semaines avec une présidente d'agglomération, et je lui demande, dis-moi, est-ce que tu es venu en train dans ta gare ? Oui, d'accord, de ce point de vue-là. Non, mais de ce point de vue-là, mais c'est ça le sujet. Le sujet, c'est quand vous êtes en, comme une boîte, en situation de prospection. Bien sûr. Eh bien, vous n'avez qu'une seule occasion de faire une première bonne impression. Une seule occasion de faire une première bonne impression. Quand un cadre dirigeant n'a plus envie de vivre dans une zone concentrée, pour tout un tas de raisons, empreinte environnementale, distance entre lieu de résidence principale et lieu de travail, espace à disposition au regard du prix de l'immobilier. Voilà, donc il y a tout un tas de sujets qui font que, d'ailleurs, beaucoup de jeunes cadres dirigeants ont envie de partir des zones concentrées. Mais ils ont envie de partir dans des territoires qui vont leur apporter, finalement, ce à quoi ils associent, dans leur inconscient, ces territoires. Si on ne retrouve pas l'esthétique de la nature dans ces territoires-là, ou une politique de la gestion du bruit... Ah, si. Si les gens veulent s'installer là-bas, c'est pour avoir de l'espace, de la nature et un peu plus de silence. Et donc ça aussi, il faut que les territoires les plus reculés se mobilisent pour devenir séduisants à l'aune, en fait, de l'esthétique et d'une politique de la gestion du bruit. Ça paraît tout bête, mais lorsqu'on est en situation où, face à nous, on a des gens qui peuvent venir à droite ou à gauche ou chez nous, eh bien, il faut être le plus séduisant possible. Et cette politique de l'esthétique, ça, c'est un vrai sujet. C'est pas grand-chose, mais ça peut être délétère lorsque, en fait, vous avez face à vous eh bien, des gens qui souhaitent s'installer ailleurs que dans la zone concentrée. L'élu local que tu as rencontré, il en a conscience ou pas aujourd'hui ? Alors, aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est qu'à travers tous les travaux qu'on mène, je fais le tour de France en ce moment, hein, donc ils sont pleinement convaincus. Ils joueront leur rôle. Tout ce qu'on dit sur l'attractivité associée au soft, c'est ce que j'appelle le soft, moi. Tout ce qui est de l'ordre du local, ils le feront. Parce que c'est une question de survie. Alors, en plus, il y a des externalités associées, en fait, au fait de... Il est absolument nécessaire, en termes de survie de ces territoires, qu'ils réussissent à redevenir attractifs et que des forces vives qualifiées reviennent sur le territoire. J'explique pourquoi ils en sont d'autant plus convaincus. C'est qu'ils finissent par comprendre que, souvent, la problématique de ces territoires, c'est un taux de chômage des jeunes non qualifiés assez élevé. Et il y a 3-4 ans, je crois, le patron de Pôle emploi me demandait... parce qu'il sait que le sujet des territoires m'intéresse beaucoup, et on travaille beaucoup sur le sujet, il me dit, mais comment on fait pour répondre à la problématique des taux de chômage des non-qualifiés dans ces territoires reculés ? Il dit, surtout, n'essaye pas d'y répondre. L'industrie du 19e siècle qui vient embaucher les jeunes non-qualifiés, ça n'existe plus. La réalité, c'est que la seule manière, ou une des seules manières de donner de l'emploi à ces jeunes non-qualifiés, c'est de créer de l'emploi qualifié dans ces zones, dans lesquelles il n'y en a plus assez. Parce qu'un emploi qualifié amène plus de revenus, c'est-à-dire des revenus supérieurs à la moyenne. Et qu'est-ce qui se passe à travers les revenus supérieurs à la moyenne ? Ça veut dire qu'on dispose de revenus pour acheter autre chose que des biens de première nécessité. Logement, transport, alimentation. Et ces gens-là qui ne sont pas assez nombreux sur ces territoires, eh bien, du coup, qu'est-ce qu'ils consomment en général avec ces revenus ? Du service. Et qu'est-ce que peut faire, très objectivement, le jeune non qualifié aujourd'hui ? La plupart du temps, c'est travailler dans une boîte de service. Et donc, la réalité, c'est que la carence en activité qualifiée dans ces zones-là crée le taux de chômage des jeunes non qualifiés. Et donc, ils sont totalement convaincus. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour y arriver ? Donc, il y a toute la partie du soft, mais il y a aussi toute la partie du hard qui revient, en fait, à celui du global. Et c'est la raison pour laquelle on invite tous ces territoires, ces 73 départements, à exprimer avec force que leur souhait, c'est de ne pas être favorisés, c'est qu'on les aide à rattraper leur retard. Et pour cela, il faut volontairement que le pays oriente la création d'activités ou la reprise d'activités dans ces territoires-là. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, parce qu'on a... Donc, plus de proximité. Donc, ces territoires, c'est nécessaire parce qu'on aura une économie résiliente. Deuxièmement, l'intérêt, c'est tout de même que l'aspiration, je l'évoquais tout à l'heure, des populations à plus de proximité, moins d'anonymat
Alors, quand on regarde tous les sondages des gens qui vivent dans les zones, dans les grandes zones concentrées, on a déjà plus de 60% des gens qui disent qu'ils voudraient partir. Donc, en plus, on a déjà un terreau favorable qui est prêt à, mais il ne partira que s'il a du boulot. Mmh. C'est pour ça qu'on a un terreau favorable. Ils veulent plus de proximité. Les territoires ont besoin, en fait, d'accueillir ces gens-là. Donc, il faut s'organiser pour créer l'activité. La question de fond, c'est comment, quelle typologie d'activité on y met dans ces territoires. Est-ce qu'on fait, comme je disais tout à l'heure, des zones franches sociales complètes ou est-ce qu'on fait des zones franches sociales ciblées? Ciblées par rapport à l'activité. Par rapport à l'activité. D'accord. Qu'on veut voir, en fait, implantée dans ces territoires. Et c'est le dernier mot important. Industrialisation. On a du bol. Moi, je suis un profond optimiste. Nos challenges sont immenses, mais on a de la chance. Donc, les aspirations des gens changent, mais la technologie nous permet finalement d'amener plus de proximité si on sait les connecter. Premier point favorable. Deuxièmement, on a de la chance. Le monde a changé. C'est-à-dire qu'on a pris conscience que la déstructuration de la chaîne de production, en gros, les délocalisations excessives, a amené une perte d'autonomie qui, collectivement, devenait dangereuse. Sur les marchés financiers, on sait bien ce que ça veut dire. C'est-à-dire que le risque associé fait que lorsque le risque se révèle, ça peut être délétère pour nous en tant que collectivité. D'où la question de la réindustrialisation, qui est un vrai phénomène de fond. C'est-à-dire qu'on va réindustrialiser. Et d'ailleurs, pourquoi on peut réindustrialiser? On va réindustrialiser parce qu'on veut réindustrialiser, mais là aussi parce que la technologie nous aide. C'est parce qu'on ne va pas réindustrialiser, on ne va pas rapatrier les usines qu'on a décolonisées il y a 20 ans. En gros, le contenu en emploi dans ces usines-là est devenu peau de chagrin, en vérité. C'est qu'elles sont très robotisées. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'en réalité, c'est plutôt des boulots d'ingénieurs dans l'industrie. Et donc, la question de fond, c'est finalement, c'est pas est-ce qu'on doit réindustrialiser ou pas. On doit réindustrialiser, parce que c'est nécessaire d'un point de vue collectif, c'est où est-ce qu'on réindustrialise. Et là, on peut avoir une opportunité majeure. Si on boucle la boucle, c'est-à-dire qu'on a, on a compris collectivement qu'on avait été trop loin dans le déséquilibre entre les zones concentrées versus les autres territoires, qu'il fallait donc qu'on y reloge de l'activité, particulièrement de l'activité qualifiée pour attirer des jeunes qui manquent pour boucler la boucle. Eh bien, on est dans une optique où tout le monde est convaincu qu'il faut réindustrialiser. Donc la question qu'il faut se poser, c'est où est-ce qu'il faut réindustrialiser? Donc j'y réponds, il faut absolument accompagner ce mouvement de réindustrialisation avec probablement d'ailleurs des efforts en termes d'impôts de production, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, pour rendre attractifs tous ces territoires. Il faut que l'industrie se réimplante, mais se réimplante dans les territoires qu'on a évoqués tout à l'heure, pas en banlieue de Bordeaux, pas en banlieue de Toulouse, pas en banlieue même de Clermont-Ferrand. On a besoin qu'elle s'installe dans ces départements qui sont représentés par des villes moyennes, dont les locomotives sont des villes moyennes. Parce que grâce à cela, donc à travers ces industries, on y logera des ingénieurs, des gens qui disposent de revenus qui sont plus élevés que la moyenne. Parce qu'il faut savoir que les gens ne savent pas, ils croient que l'industrie, c'est moins bien que le reste. Non, les revenus dans l'industrie sont plus élevés, beaucoup plus élevés que dans le monde du service. Donc lorsqu'on veut amener des gens avec plus de revenus, il est très intéressant d'amener plutôt de l'industrie en fait, dans ces zones-là. Et donc ça permettra de répondre, de résorber d'une certaine manière la carence en 25-45 ans qualifiée de ces territoires-là, donc de disposer de plus de revenus et de faciliter aussi tous les acteurs qui font du business dans le service donc dans ces territoires. Et donc finalement, si on comprend que le rôle de ces territoires aujourd'hui reculés, qui ont un peu souffert, il faut quand même utiliser les mots qui sont des mots réalistes et objectifs au cours des 5 dernières années, et qu'on les perçoit finalement comme le vecteur de notre réindustrialisation demain à travers des efforts qu'il faut faire. Connexion, politique d'infrastructure, fiscalité, plus tout ce que doit faire le territoire après local pour être attractif et séduisant pour les populations qui viendront s'y installer, eh bien à partir de là, qu'est-ce qui va se passer? On va désengorger un petit peu les zones concentrées. Rappelons quand même, il ne faut pas être déconnecté. On vient d'avoir la COP26, la question de l'environnement devient un sujet majeur, mais la question de l'environnement, elle vient aussi du fait qu'on a archi-concentré et qu'on ne fait pas rentrer un carré dans un rond. Évidemment, quand vous faites exploser la distance entre le lieu de résidence principale et le lieu de travail, eh bien vous générez quoi? Vous générez du carbone, parce que des voitures, du transport, des embouteillages. Et vous comprenez bien que à travers cette lecture du rôle des territoires sur l'ensemble donc de notre territoire national, eh bien vous pouvez aussi permettre un désengorgement léger. Les métropoles ne vont pas se vider, il ne faut pas rêver. Ou d'ailleurs, ce n'est même pas souhaitable. Il faut que nos locomotives métropolitaines continuent d'avancer. Mais en fléchant la réindustrialisation dans ces territoires-là avec les actions qu'on a identifiées, eh bien vous leur permettrez, elles aussi, de devenir leur propre locomotive. Et si j'avais un dernier message, et c'est souvent ce que je dis, c'est que quand je vais dans ces territoires-là, j'étais hier à Agen. Agen, c'est entre Toulouse et Bordeaux. J'étais dans le taxi. Et le taxi me dit, non mais Agen, ça va. De toute façon, ça va aller parce qu'on est à une heure de Toulouse et une heure de Bordeaux. Eh bien, c'est tout ce qu'il ne faut pas faire. Il faut arrêter, en fait, que ces territoires-là
n'imaginent leur avenir qu'à travers, en fait, qu'en étant le wagon d'une locomotive. Nous pouvons tous être locomotives, tous nos territoires peuvent être locomotives, à partir du moment où ils disposent des moyens, des forces vives suffisantes pour pouvoir créer l'activité. Donc ça veut dire, ça revient toujours à nos discussions de tout à l'heure, qui est de dire, l'activité, quand je parle d'activité, c'est l'activité privée. Hein. C'est pas l'État qui... Jusque là, en fait, l'État tient ses territoires avec plus d'emplois publics. Mais donc, d'une certaine manière, si on comprend bien que ces territoires-là peuvent être aussi moteurs que les autres, eh bien, on aura des métropoles qui seront dynamiques, qui seront plus vivables et qui seront, auront une empreinte environnementale entre guillemets plus allégée, donc qui rendront nos engagements plus faciles à réaliser, mais avec un reste du territoire qui souffrira moins du décalage, hein, puisqu'ils voient bien que les métropoles avancent, ils ont cette sensation d'être abandonnés et oubliés, et c'est vrai qu'ils sont un peu siphonnés, hein, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, voilà. Et donc qui, elles-mêmes, pourront rattraper le retard de ces métropoles. Et donc on aura au final du gagnant-gagnant, simplement en ayant réintégré dans notre équation, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure au tout départ, le fait qu'il est très important d'intégrer dans notre équation du modèle économique dans lequel on vit, la dimension géographique. Merci Pierre de cet élément. Je regardais si j'avais une question qui est arrivée. Alors, il est possible que j'en ai une, mais je n'arrive pas à la lire. Donc je vais avoir des difficultés. C'est une copie d'écran. Ah si. Ah oui. Comment. Non, pardon. J'ai une question et je la lis. Comment rendre attractifs des territoires, Guyane, Mayotte, soumis à de tels niveaux informels et une telle pression migratoire sur des laps de temps aussi courts, conduisant à des besoins d'infrastructures permanents, logement, éducation, santé, ne faudrait-il pas que la baisse des niveaux de cotisation sociale concerne aussi les hauts niveaux de compétences? Et c'est Joëlle Prévost-Madère que je salue de la Guyane, d'ailleurs au demeurant, puisqu'elle est, elle est chef d'entreprise en Guyane. Alors je ne me risquerai pas et je n'aurai pas la prétention de vous dire ce qu'il faut faire en Guyane et à Mayotte. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il faut effectivement considérer ces territoires comme si différents qu'il faut les accompagner de manière différente que les autres. C'est le premier point. Et le deuxième point, sur les, donc sa question était sur les cotisations sociales. Oui, absolument. Alors, j'essaie de te la résumer. D'abord, c'est donc la pression sur le niveau informel et sur la pression migratoire. Ah oui. Donc, l'économie souterraine, hein, bien entendu. Oui. Elle se pose la problématique de l'infrastructure permanente, c'est-à-dire les logements, l'éducation, la santé, pour être sûr qu'on soit ancré. Et puis en même temps, elle évoque, mais pour attirer les talents, en fin de compte, est-ce qu'il ne faut pas aussi... Cotisation sur les hauts revenus. Sur les gros revenus. En tout cas, elle ne parle pas des gros revenus, elle parle des hauts niveaux de compétences. Oui, alors, mais c'est associé en fait à des niveaux de revenus élevés. Mais alors là, pour le coup, elle a totalement raison. C'est-à-dire que s'il fallait faire un choix, nous n'avons pas besoin d'aider les bas salaires pour les entreprises. Nous avons besoin de les aider pour les hauts salaires. Pourquoi ? Parce qu'il est beaucoup plus rentable pour l'ensemble de l'économie d'aller favoriser l'emploi qualifié parce qu'à niveau, donc qui va permettre de disposer de niveaux de revenus plus élevés, parce que c'est le revenu supplémentaire par rapport à la moyenne de ces gens qualifiés-là qui va créer le boulot en fait des non-qualifiés. Donc dans ces territoires, il serait plus intéressant. Alors il se trouve que je reviens de 2 semaines dans l'Arc-Antillais pour parler justement de ces territoires-là, de leurs spécificités et des politiques publiques qu'il faudra implémenter pour pouvoir leur permettre de se développer. Simplement pour dire que oui, s'il fallait choisir, il faut d'abord les aider à travers les hauts niveaux de revenus, donc les hauts niveaux de qualification, parce que l'un va avec l'autre. Parce que l'objectif premier, comme partout, c'est de répondre à cette notion de carence de gens qui disposent de revenus supplémentaires au simple fait de devoir en fait consommer des biens de première nécessité, logement, transport, alimentation. Cher Pierre, je passerai des heures avec toi, tellement tes propos sont extrêmement intéressants. Tes analyses sont, comme tu disais, factuelles, objectives et remettre en perspective toute la problématique des territoires, de l'économie, la proximité et de l'industrialisation. Tu viens nous faire la démonstration des enjeux sur lesquels il faut travailler et sur des solutions qui sont possiblement adaptables. J'espère que nos échéances électorales, qui sont des échéances toujours essentielles à la France, qui sont les élections du président de la République, permettront de venir sur ce thème, qui me paraît un des thèmes essentiels de l'avenir, comme tu l'as évoqué, et que ce changement de paradigme qui est né il y a 10-15 ans se trouve révélé aujourd'hui par la crise du Covid, nous amène à ces réflexions et à ces actions qui sont nécessaires. Merci encore à toi. Merci de ta présence. C'est un vrai bonheur que t'avoir avec nous.